Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission dont nous examinons les crédits est extrêmement importante. J'en veux pour preuve les domaines qui sont les siens. Elle traite à la fois de la machine diplomatique, dans son organisation, dans ses effectifs, dans les services qu'elle peut rendre à nos concitoyens, mais aussi dans ses missions, toujours plus nombreuses et variées, de son influence dans le monde, et nous savons qu'à ce titre, elle est soutenue par une grande ambition qui est celle de la projection de la France à l'extérieur de ses frontières. Le métier d'ambassadeur, de diplomate, a changé dans des délais très courts. Les attendus de ces métiers sont aujourd'hui bien éloignés de l'image d'Épinal que l'on pouvait se faire, même si elle nous a livré, par ailleurs, de merveilleux écrivains. Les réformes menées au sein du ministère depuis de nombreuses années se poursuivent cette année encore dans le cadre du plan d'action publique 2022. La rationalisation des moyens est un objectif louable et nécessaire que nous soutenons depuis le départ. Nous nous interrogeons toutefois et souhaiterions que notre assemblée puisse mener une véritable réflexion sur la poursuite de la diminution de nos personnels et représentations diplomatiques. Un seul exemple, cette année, ce sont 160 ETP qui ont été supprimés, 81 l'année prochaine, sur un effectif total de 13 500 personnes sur lesquelles repose toute la diplomatie française. À l'heure où elle est appelée à soutenir l'ambition de notre pays, d'être un acteur central du futur cadre institutionnel international, où les missions de notre diplomatie évoluent, nous devrons réinterroger nos priorités pour que notre présence physique, ne soit pas affaiblie. D'autant que grâce aux réformes menées, nos personnels diplomatiques disposent plus que jamais de leviers d'action nécessaires à la mise en œuvre de nos politiques. Je pense notamment à l'extension des pouvoirs des ambassadeurs, qui sont désormais de vrais chefs d'équipe et qui disposent de capacités élargies dans de multiples domaines. Ces économies ont aussi permis de dégager des crédits pour mieux répondre aux besoins concrets de nos concitoyens à l'étranger, avec des dispositifs importants comme le vote par Internet, la plateforme consulaire des réponses téléphoniques et courriel mondial, le projet France Visa ou encore la mise en place du registre de l'état civil électronique. L'autre volet de cette mission est en grande partie la résultante de ce que nous venons d'évoquer, puisqu'elle concerne la diplomatie d'influence. Le travail très précis du rapporteur Frédéric Petit sur les crédits est très précieux pour nous permettre d'y voir plus clair sur les actions menées. À ce titre, je m'accorde parfaitement à ce que vous rappeliez, mon cher collègue. La mondialisation remet ses actions éducatives et culturelles, économiques et environnementales au cœur de nos enjeux diplomatiques. Il ne s'agit plus de savoir mieux que les autres et de projeter notre raison dans le monde, mais de construire des réponses partenariales à des défis et des menaces qui ne sont plus strictement nationales. Ceci me paraît être l'essence même du programme 185, qui vient soutenir le rayonnement culturel et l'enseignement du français à l'étranger. Le président de la République s'est engagé à donner des moyens à ce réseau pour qu'il puisse atteindre l'objectif d'un doublement des élèves scolarisés en 2030. Il s'agit là d'une action essentielle pour l'avenir de la présence française à l'étranger, alors que nous savons que la langue, et à travers la pensée, traduit aussi une vision différente du monde. Le groupe au nom duquel je m'exprime partage pleinement cette approche interculturelle des rapports entre États, entre peuples. Cela s'accompagne par ailleurs de nombreuses mesures destinées à attirer chercheurs, étudiants, élèves directement en France, au travers notamment de la stratégie gouvernementale Bienvenue en France. Dans toutes ces actions, nos personnels diplomatiques sont pleinement investis et travaillent à leur réussite. Il nous revient donc de les soutenir en votant les crédits qui nous sont présentés. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté s'y engage. Je vous remercie. Merci, Monsieur Michel Kretbauer.